Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est The John. Aujourd'hui, on se retrouve sur Outrider, un jeu de rôle et de tir. C'est en coop, on peut être de 1 à 3 joueurs. Ça se déroule dans un univers science-fiction original, donc ce qu'ils disent. Sombre et sans espoir. Ah ouais, bah alors s'il n'y a pas d'espoir, pourquoi y jouer? alors ils disent quoi? Une histoire complexe vous entraînera dans un monde étonnant où vous quitterez le bidonville de la première ville et parcourrez les forêts, des montagnes, des déserts à la recherche d'un mystérieux signal. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent de spécial après sur le jeu? On peut jouer en coop, ouais, dynamique, de 1 à 3 joueurs. Je pense que je vais le faire en solo. Ça va être chaud en solo, comme dans tous les jeux. Hein. Quand on joue en solo, ça pue un peu des pieds. Ouais, jouer en solo, rejoignez jusqu'à 2 amis. Ouais, pour l'instant, j'en ai pas. Avec qui jouer, hein. J'en ai pas. Mais bon. 4 classes. Ah, oh, ouais, on a des classes aussi. Il les marque ou il les marque pas? Ah non, il marque pas les différentes classes. Choisissez l'une des 4 classes disponibles, chacune disposant de sa propre arborance de compétences. Et définissez votre style de jeu. On verra. Allez, on est parti, hein, parce qu'il faut créer un personnage, je vois là. Attendez, j'ai pas de son. Ah, je vois pourquoi. Il n'y a pas de son de jeu, mais si bien, je crois pas qu'il y a quelque chose de spécial. Attendez. Nvidia, non. Elgato. Elle est là. C'est mon micro encore qui joue des siennes. Pas de son? Ah, si, c'est bon. Ah, on est parti. Faut pas te tourner. Un petit peu bronzé, les yeux bleus, ouais. Chevelure. Chevelure, on a dit. Bah, je peux pas te bouger ta tête. Ok. Bon, la coupe comme ça, on connaît tous. Ouais. Celle-là, ouais, pas mal non plus. Coupe normale. J'aime bien les petites coiffes là. Ça c'est de Dragon Ball Z, c'est comment il c'était le numéro combien? C'est 18, non? Non, c'est le l'autre Robot, c'est 16, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai plus regardé Dragon Ball Z. C'est pas mal les coupes, c'est pas mal. Oui, comme ceci, c'est bien. Non, je pense que je vais mettre la petite queue à l'arrière, je crois. Voilà. La barbichette, là, toute petite. Hein. Ça va. Ouais, elle est pas mal, sa petite barbichette. Hein. Attention, hein, j'ai une toute petite barbichette. Hein. Il n'y a même pas qu'à commencer la guerre, il faut pas de cicatrice. Bah ouais. Encore, je pourrais la mettre après si je veux. Ouais. Les anneaux. Qui porte des boucles d'oreilles comme ça, des petits piercings.
C'est lesquels les... C'était ceux-là qu'il y avait. Ouais, allez, on va le laisser avec tes petites boucles d'oreilles. Arcadius. Zeus. Ben non, c'est comme ça, je m'appelle comme ça. Sauf que... Ok, pas mal. Bon, on est parti, hein, je crois. On lance comment? On va venir au salon. Voulez-vous passer le prologue? Bah non, faut le faire. Commencer. Allez, c'est parti. La tête est morte, ah bon? Nous l'avions détruite. Bah, c'est bien, hein, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a détruit un petit feu. C'est ce qui arrivera un jour, on devra faire pareil, on devra partir. Ah, ils étaient deux vaisseaux et il reste qu'un. Capsule 1, QG Flores, autorisé à engager la descente vers la surface. Reçu, désengagement. Allumage des propulseurs auxiliaires. QG, nous pénétrons l'atmosphère dans 20 secondes. Initié allumage, rotation et freinage. Premier allumage, moteur à 30%, rotation. Nous entrons moteur en premier, altitude 6 km en chute libre. Capsule 1, nous captons des interférences passées en antenne directionnelle. QG, confirmez force du signal. Vous avez l'air excellent, capsule 1. Procédez à l'atterrissage. Ah oh ouais, les arbres, comment ils ont essayé. Ils ont été couchés. Presque comme à la maison. Ouais, c'est ce qui m'inquiète. Alors, boss, on est prêt? T'as mon camion? C'est bien les jeux en français quand même. Ça plonge un peu plus dans les cinématiques. Des snipers à 3 et 6 heures, plusieurs défenses et une base d'opération établie dans l'heure. Au boulot! Gutman, venez ici. Vous connaissez bien les enjeux. Le Flores est déjà à moitié démonté et notre moteur part alimenter une ville d'un demi-million. Si ces abrutis d'Outriders touchent le gros lot, vous venez me voir en premier. Je suis là pour m'assurer que les procédures sont respectées. On n'est plus sur Terre, Shira. Les procédures, c'est démodé. Écoutez, Outriders. Je sais ce que vous vous dites. La maison, c'est fini. Et personne ne sait ce qui nous attend là-dehors. Mais le CA n'approuvera pas l'atterrissage. Alors au boulot!
Allez. Ah bah non, c'est encore une cinématique. Ah, il commence déjà à tout casser. Oh. Il commence déjà à détruire la nouvelle planète. Sacré véhicule. Je pars en reconnaissance à pied. Faut que je me dégourdisse les jambes. Je passe devant. Faudrait pas vous faire bouffer le premier jour. Relax, Outrider. Je serai pas là. Je serai à la maison sous un tas de sang. Ok. En avant. Allez, on est là. Tu prends l'arrière. Tu sens cet air un peu? J'arrive même plus à transformer un air qui sent autre chose qu'un carburateur fumant. L'air sur Terre ne me dérangeait pas. Je m'étais habitué. On s'habitue très bien à l'air frais aussi, crois-moi. Le truc, c'est que... aucun de nous n'aurait dû quitter la Terre. Culpabilité du survivant. Tu crois que les autres ne le ressentent pas? Pas seulement ça. Si le moteur du caravane n'avait pas explosé sur Terre et tué la plupart des vrais Outriders avec, il n'y aurait pas de mercenaires ici à leur place. Fais partie du groupe parce que tu ne recules devant rien. Hop. Mais monsieur, faut faire attention aux arbres, on a dit. Attendez. Il crasse tout comme ça. Attention, hein. Oh, je te parle, toi, là-dedans. Tu casses la nature. On va camper ici. Ok. Outrider, mets un drapeau balise. Le QG saura que l'endroit est sûr. Ah. Ok tout le monde, on a du pain sur la planche. Kusberg, Skarsted. Ah, ils cassent vraiment tous les arbres. Je veux voir les premières fortifications dans l'heure. Jacob, tu vas tester les munitions. Gutman, active ton scanner rapidement. Qu'on mette la main sur ces sondes. Outrider, viens là. Ah, je suis déjà là. Je te regarde depuis tout à l'heure parler là. Hey. Quoi qu'il arrive, j'ai besoin de mon meilleur tireur sur le coup, au cas où ça foire. Je peux compter sur toi. J'ai pas tiré. J'attends vos ordres, capitaine. Nos armes n'ont pas tiré depuis près d'un siècle. Va donc voir Jacob pour qu'il vérifie ton équipement, et prépare-toi. On bouge dès qu'on aura localisé les sondes. Des questions? Silence sur Terre, j'imagine. C'est vraiment fini? Elle est morte, 15 ans après notre départ. Plus ou moins comme prévu. 15 ans après? Le CA confirme qu'on ne reçoit rien depuis. Oh merde. J'ai grandi dans la misère, sans argent, rien. J'ai tout perdu, vraiment, bien avant la fin. Je me souciais pas vraiment de la fin du monde, je pensais même pas vivre au-delà de 20 ans, putain. Je sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai survécu. Maintenant, je sais même pas ce que je suis censé foutre ici. Si tout va bien, le jour viendra où tu laisseras tout ça derrière. C'est un nouveau départ. Tu pourrais fonder une famille, te faire une piôle, et vieillir tranquille. C'est pas moi, capitaine. Mon truc, c'est les armes, pas les gosses. Quelqu'un comme moi n'aura jamais sa place ici. Ça, c'était peut-être avant. Mais tu fais partie des élus. Tu construiras le futur. Ne le gâche pas. Je vais voir Jacob au champ de tir. Bien. On décolle dès qu'on retrouve les sondes, alors prépare-toi.
Alors, on va aller voir Jacob. Pourtant, c'est marqué Jacob, mais ils disent Jacob. Oh, tu peux bouger ton véhicule, je dois aller là. Merci. Bonjour toi. Ouais, je te dis bonjour. Je peux t'aider, boss. Je connais ce regard. Ce dernier jour s'est étendu. J'ai cru à un moment qu'on allait tous y passer. On risque souvent nos vies. T'arrêtes pas d'y penser, toi aussi, hein? Je sais. C'est fou. C'était il y a 80 ans. Comme si c'était hier. J'ai encore des petites douleurs et les oreilles qui sifflent à cause des coups de feu. Faut dire qu'ils étaient des milliers, à se grimper les uns sur les autres, massacrant tous ceux qui se trouvaient sur leur passage, pour faire tomber la rampe de lancement et défoncer les portes de la navette. Ouais. J'en ai fait des champs de bataille, mais ça, c'était l'anarchie. Écoute, c'était nous qui partions de la planète, ou eux. On a fait ce qu'on avait à faire. On fait ce qu'on a à faire. On s'aide les uns les autres. Ça, ouais, pas le choix. T'es la seule personne en vie que je connaisse, à part le capitaine et Cuthbert. Ouais. Je suis surtout le seul en vie qui mérite d'être connu. Je suis content que t'aies pu embarquer, salopard. Comme il moi aussi. Ce dernier jour s'est étendu. Ah non, j'ai remis le même. J'ai cru à un moment. On risque souvent nos vies. Désolé, j'ai remis les mêmes. C'est comme si c'était hier. Passage pour faire tomber la rampe de lancement. J'en ai fait des... Écoute. On peut pas tout sauter d'un coup. Je suis surtout le seul en vie qui mérite d'être connu. Je suis content que t'aies pu embarquer, salopard. Ouais. Moi aussi. C'est juste pour entendre ça. Allez, allez. J'avais pas vu, je croyais juste au-dessus. J'ai du matos à tester. Un peu d'entraînement aux cibles, boss, hein? C'est parti. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'on va? Ça me plaît, ça. Ouais, allez, 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 allez. Bonjour, boss. Ah ouais? Et c'est toi qui vas le tester. Bah. Tu penses que tu peux défoncer un tank? Je sais pas, moi, il faut tirer où? C'est simple, c'est comme le vélo. Parfait, t'as pas perdu la main. Oh non, ça va, c'est elle. Tu peux essayer ton arme de poids maintenant? Mmh. Ouais, c'est pas mon arme, c'est mes armes. Waouh, je rêve où tu vis mieux après 80 ans de sommeil. Il est pas dans ce grenade, mon truc. Voilà. Ma sensibilité. Ah, c'est pas dans la visée, hein. Après ça a l'air d'aller. Bonjour le char, comment tu vas? Ça va, j'ai pas trop perdu. Outrider, demande à notre agent de l'ECA si Shira a trouvé des sondes. Ok, on va aller où? Bon bah là. Oh mon dieu. Ah ouais? C'est superbe. Ah, si tu avais vu ça, papa. Hé hey. Vous êtes Shira, c'est ça? Excusez-moi. Cette planète, j'en reviens pas. C'est très beau. Ah. On aimerait avoir Internet pour partager tout ça. C'est dans un but scientifique.
Et puis, on aura un internet qui fonctionne dans les 6 premiers mois. On est parti avec une sauvegarde. Oh, vite, ça va. Je vous taquine, Shira. Des nouvelles de la sonde? On est en train de scanner. Je sais pas ce que je peux faire de plus, c'est que... Comment les signaux des sondes ont pu disparaître? Ouais, ce serait pas à cause d'interférences ou un truc comme ça. De l'espace, peut-être, mais pas d'ici. En tout cas, les premiers résultats étaient bons. On respire. Oui, mais pour que l'ECA autorise un 500 000 de personnes à atterrir, il nous faut les données des sondes pour savoir si c'est faisable. Et si ça ne l'est pas? L'ECA a un plan B? Et si on parlait plutôt du paysage? Comment se passe la colonisation? Vous planifiez tout ça, non? Oui. On a commencé à démonter le moteur. C'est la première pièce à descendre. Le noyau nucléaire devrait fournir suffisamment de puissance pour lancer la suite. Et quand ferez-vous descendre les capsules des civils? Quelques semaines après, si tout va bien. D'abord, juste assez de monde et de ressources pour pouvoir lancer l'infrastructure. Eau, nourriture et logement. Ensuite, on sort les autres de leur sommeil, milliers par milliers, pour éviter les pénuries. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour nous vivions tous dans une belle grande ville. Et pendant ce temps, le Flores, il va rester là-haut? Il a été construit en orbite. Il ne peut pas atterrir. Nous allons le garder là-haut jusqu'à ce que nous puissions voler à nouveau. Un jour, peut-être. Oh, ça va refaire du boulot. Bon, je veux la vérité. Le plan de l'ECA est solide, selon vous? Mon père faisait partie de l'équipe qui a conçu ce plan. Je l'ai toujours connu travaillant sur ce projet. La plus grande entreprise de toute l'humanité. Ah, c'est comme ça que vous êtes là, alors. Pistonné par papa. Non. J'ai étudié l'ingénierie. Vécu en orbite. Conçu la structure. Vissé des rivets dans la coque. J'ai construit ce vaisseau. Donc vous méritez tout ça. Tant mieux pour vous. Non. C'était mon père. Mais pas comme vous le pensez. Il s'est sacrifié. Pour moi. Il est resté. Merde, je... Désolé. Il aurait vraiment été fou de voir tout ça. Mais au final, c'est moi seule. C'est bizarre de ne connaître personne ici. Quand tout sera fini, passez donc nous voir. On n'est pas si méchants. Pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Ben allez, un peu d'action maintenant, quand même. Hé, hey, c'est censé clignoter comme ça? Oh, mais c'est une sonde. Tanner, je crois qu'on a un signal, tout près. Excellent, Outrider. Va vite me trouver cette merde, qu'on puisse atterrir. Bien reçu. Bien reçu. C'est un moment historique. Il faut le documenter. Ouais, madame, t'en profites un peu, là, tu peux me prendre en photo. Dans un but scientifique, bien sûr. Ouais. Festé, là. On a fâché sur le monsieur. Bon. T'as passé par où? Ouais, vous cassez déjà toutes les forêts, bien sûr. De méchants. Par là-bas. Attention, du mouvement à 9h. Un gros truc. Restez vigilants. Gardez le périmètre et ne tirez pas tant qu'on sait pas ce que c'est. Waouh, je vois des. Genre de. Hyènes croisées avec une vache. Ouais, je les vois là aussi. Il y en a tout un troupeau. On sait pas si la faune locale est végétarienne ici. Herbivore. On appelle ça des herbivores. C'est pareil. Ils ont une sale tronche, en tout cas. Non, ils sont superbes. Je suis sûr qu'on peut les domestiquer pour l'agriculture. Je suis sûr qu'ils sont... Tu sais, tu parles de domestiquer. Il y a quand même une bizarre qui fait bronzette sur le chemin. Vous pouvez peut-être prélever de l'ADN si vous vous approchez. C'est pas vraiment la priorité. On montre comment? J'essaierai si je peux m'approcher sans l'effrayer. Bah...
Ok, mais moi je veux pas monter, je veux pas me cacher, je veux monter. Bah oui. Je peux pas. Oh, mon mec il veut pas monter là. Ah bah voilà. Ah, raté. C'est enfui. Mais j'ai sécurisé l'objectif. Fantastique. On voit une tempête se former au loin. J'ai trouvé la sonde. Elle a pris un bon choc, mais les données ont l'air intactes. Bien reçu. Je transmets au QG. Bon travail, Outrider. Attendez. Tanner, je capte un deuxième signal. Mais il y a quelque chose de bizarre. Bizarre? La tonalité monte et descend. Elle devrait être stable, c'est étrange. Outrider Alpha à QG. Attendez avant de donner le feu vert. On a une autre sonde à analyser dans le coin. Négatif, Alpha. Votre travail est terminé. Bon sang. Écoutez, Maxwell. On peut pas se permettre la moindre erreur. Donnez-nous du temps. Ah, il va aller trop vite, là. On va pas rater notre fenêtre orbitale. On a les données. J'envoie le feu vert. Continuez à chercher si vous voulez. Je me fiche de ce que vous trouverez. Terminé. Ah, ouais. Rendez-vous au convoi. On va traquer ce signal et voir où ça nous mène. Là, t'es pressé. Vous le voyez déjà des gens. Mais à faire descendre encore des personnes. Ils viennent à peine d'arriver. C'est par où? Par là-bas. Ah, j'ai les pieds mouillés. Ça y est où? Voilà. Allez, cours. Ah, pour l'instant, il est beau. Pas de problème. Hein. Salut. Cuthbert, du nouveau? Le signal de la sonde est faible, mais j'ai trouvé la source. Là-bas. J'espère que vous avez amené vos bottes. Jacob, autre planète, même mer. Jacob, c'est Jacob. Mais bon, on se voit sur cette planète, c'est nous les extraterrestres. Hein. On vient pas d'ici, on vient de l'espace. Ça prouve bien que dans tous les cas, même s'il y aurait des extraterrestres qui viendraient, ils feraient pareil. Hein. Ils viennent pour... L'électronique serait complet. Les camions sont HS, on continue à pied. Soldat, ta mission première, c'est Shira, tu comprends? Allez en avant, ouvrez l'œil! Est-ce qu'il y aurait des êtres vivants sur la planète? Eh ben, qu'est-ce qu'ils font sur la planète? Ça veut dire qu'ils vont les tuer pour prendre la planète pour eux. Ça aurait pas été cool. Ah, ça fait un peu Alien Covenant. Quand le mec il marche sur... Comment dire? Ça va, c'est rien. Et le mec il marche sur un truc et puis il y a des spores qui arrivent, qui rentrent dans son corps. Ramenez-le au vaisseau, prévenez les médecins. Qu'est-ce qui se passe? Recule, recule. Merde, fais chier. Ah, ça fait un peu pareil. Tanner. Je vois la sonde. J'ai du mouvement. Je vais voir. QGECA. On a un potentiel danger biologique. Salut Tolo. J'aurai un gros rat. Ah, vous êtes des gros rats. Eh, Bas, quoi de neuf? Je récupère notre sonde perdue.
Et Skarsted ? Il a une sale gueule. On sait ce que c'est, cette merde noire. Un genre de saprobiote ou de mycélium. Et vous prêtez des échantillons. Ah. Quoi, ça fait un gros énorme. Ok, tu veux jouer? Aïe, aïe. Touché. Capitaine, j'ai été attaqué par une de ces hyènes vaches. Un truc là en vol, j'ai dû la battre. Faites gaffe. Tanner, je l'ai trouvé. Bien joué. Prends les disques et tire-toi vite. Il faut le spotter pour l'ouvrir. Attendez. C'est seulement un relais. Tanner. En fait, le signal ne part pas de la sonde. Ça vient d'ailleurs sur la planète, de plus loin que notre zone de recherche. C'est impossible. Il n'y a personne d'autre. Prends le disque dur, on analysera tout ça à la base. Compris. Merde! Tanner, les circuits ont grillé. Donne-nous la fréquence. Ah oh, les cailloux qui valent. La fréquence capsule est 9, 7, point... Tanner, vous me recevez? Oh merde. Tanner! Tanner? Tanner? Je commence à voir des trucs vraiment bizarres ici. Ouais. Putain. Alors, en fait, on dirait presque une tempête solaire. Ouais. Toi, c'est pas vous, t'es pas allé. Barrez-vous tous de cette forêt. Tanner, qu'est-ce qui se passe? Tanner, c'est quoi cette tempête? C'est tout. Ici le capitaine Tanner. Oh. Arrêtez l'atterrissage. Je répète, arrêtez l'atterrissage. Maxwell, vous me sauvez. Ah bah, ça pèse de partout, non? Ah, t'es perdu la route. Ah, c'est bon. Ouais, on est en train de me cartonner dessus. T'as chaud? J'ai pas envie de ressembler à une merguez, hein. Une merguez grillée. On dirait pas qu'elle meurt, on dirait qu'elle se fait aspirer, je sais pas. Bon, après, faut qu'il y ait une giglée. Hein. Lui, il est pas mort. Putain. Putain, courba. Parce que quand on regarde les trucs qui se font aspirer, c'est comme ceux qui se font téléporter ailleurs.
des blessés graves, contamination possible. Préparez une quarantaine à la base. Vous me recevez? Oh la caméra. Putain. Maxwell, qu'est-ce que c'est que ça? À votre avis. Sergent-major, chef, nous devons suivre la procédure de quarantaine et repousser l'atterrissage. Tous les rapports qu'on nous avait faits sur cette planète, ils étaient faux. Il y a une espèce d'anomalie. Si on atterrit maintenant, tout le monde mourra. L'atterrissage se fera comme prévu, c'est trop tard maintenant. On n'a nulle part où aller. Oh, la température elle monte là. Tanner, ici, il nous faut de l'aide. Faut des médecins. Soignez-les. Vite. Non, arrêtez. Ils sont contaminés. On les enferme. C'est un ordre. Vous êtes vraiment une belle raclure. Ouvrez les yeux. Ces hommes et ces femmes ont besoin d'une assistance médicale. Alors bougez-vous le fion et faites le bon choix. Ou alors je vais être obligé. Ah ouais, comme ça. Non. Contenez-les. Immédiatement. Et brûlez-moi tous ces putains de corps. Ça commence, ça se retourne les uns contre les autres. Super, hein. Normalement, ils sont censés céder les uns les autres. Maxwell, il a pété les plombs. Je m'occupe des blessés. Repoussez-les. Jacob, couvre-moi. Je vais chercher Maxwell. Compris. C'est nous, Outrider, baissez vos armes. Attends, baisse tes armes aussi. Commencez par rappeler vos sbires. Si tout le monde baisse ses armes, c'est bon. Il faut prévenir le Florence. C'est vous, les Outriders, qui avez causé cette menace, mis en danger la mission. Conne. Non, mais c'est quoi, hein? Oh, ouais. Et coucou. Oups, désolé monsieur. Oh bah encore plus désolé. Maxwell a créé un blocus. Il va tout incendier. Pourquoi? Il veut raconter sa version des faits. Comment les Outriders sont tout fait capoter. Ah, il reste plus rien du il mec. Doit mourir. Attendez, Maxwell est le seul qui puisse arrêter l'atterrissage. Vous devez lui faire retrouver la raison. Attention. Voilà. On a... Wow. T'as marre, toi? Allez, sors ta tête. Moi, oh, désolé, hein. J'ai glissé. Moi que c'est pas c'est le début. Voilà. Eh, t'es blindé toi. Le mec, je lui cartonne en plein dans la face, il s'en fout. Tout va bien. Ah, je pouvais pas être plus près avec mon fusil. Arrêtez vos conneries. Appelez-les maintenant. Repoussez ce putain d'atterrissage! C'est trop tard! Et vous? Aidez-moi avec les blessés! Vous les ramenez au labo! Par ici! Allez, bougez-vous! Bougez-vous! Ça va vite le chargement. Waouh.
40. On y est presque. Mouillez-vous. Ça va aller. La mis à poil. La déshabiller totalement. Qu'est-ce que vous faites? Je vous remets en cryostase en attendant que le labo puisse vous sauver. Dites pas n'importe quoi, je vais mourir. Je suis désolé, le réconfort, c'est pas mon truc. Ouais. Je suis congelé. C'est beaucoup de la cinématique au début. Hein. Quand les je sais pas si ça va être comme ça tout le long du jeu, mais bon. Était-ce quand vous êtes parti de la Terre? Était-ce quand vous avez vu le premier vaisseau exploser et brûler? Était-ce en voyant les autres Outriders tomber à vos pieds? Était-ce de vous voir mourir? Mais Enoch vous réserve des surprises, Outrider. Ah ouais, c'est vrai? Comme je dis toujours, il faut attendre pour connaître la fin. Ok, bah j'attends alors. Hein. Vous, de quelle année êtes-vous? Année, quelle année? Quoi? C'est votre capsule? Mettez les nœuds de liaison. Venez, Doc. Il faut y aller, ils arrivent. On ne peut pas les laisser là. Ce sont des Outriders. C'est pas pour eux qu'on est là. Mais... désolé. Ah ouais, on a bien changé là. Ah, c'est le gros vaisseau de l'espace, vous comprenez? Qu'est-ce que... Bouge pas, ordure! Capitaine, encore un déchet! Outrider, ton espèce n'est pas morte. Morte? Détache-moi, tu vas voir! L'anomalie arrive! On va voir si t'as de bonnes jambes. Dans les tranchées, avec les autres. Ils sont passés des trucs le temps qu'il dormait, monsieur. Ah oui, mais il y a une sorte de ville. Une sorte de ville. Attention, attention! Allez, bouge-toi le cul! Les tempêtes approchent! Allez! Je suis où, bordel? Ferme ta pas dans un camion? Soldat, t'es de l'OCA aussi. Quand on sera dans les tranchées, il faut qu'on reste ensemble si on veut survivre, ok? Regardez, survivre à quoi? À la tempête qui va nous griller le cul. Vous deux, vous allez okay. Fermer vos gueules. On y est, allez. Reculez, reculez. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils ont un intérêt. Ils massacrent nos gars. Cassez-vous d'ici. La tempête arrive. L'intérêt s'en fout de la tempête. Merde. Passe par l'arrière, par la prison. Ça va être très chaud. On va rester ici. Parfait. J'ai volé la vedette au capitaine. T'es pas bien dans ta tête. Attention. Je vois rien. Putain, mais... il était blessé! Ouais, c'est mieux comme ça! Il frappe plus voilà. Go! Combien? Ça fait combien de temps? Quoi? Cette guerre, ça fait combien de temps? Qui sait? Je m'en fous, j'étais pas né! Mais c'est pas possible, pas putain! Allez, ouvrez cette putain de porte! Bougez-vous! Tenez bon, on y est presque! Presque où? Vous nous emmenez où, là? Je suis pas censé. C'est quoi ton problème, bordel? Tu viens de te réveiller ou quoi? Cryostase. Je... eh ben, je vais te débriefer, tu vas voir. Ce paradis que vous nous aviez promis, tu sais ce qu'on a eu, Pluto? Des putains de tempêtes aliens! Pas d'abri, pas de bouffe! Tempête alien, balance, c'est tempête sur la pendant planète. Pendant que l'ECA
s'engraissaient de leur bunker. Mais des conneries! On avait juste plus d'électronique! On aurait pu vous laisser pourrir dans vos capsules! Mais on l'a pas fait! On vous a sauvé, sale bâtard! Oh. Ah ouais, j'ai pas tourné la caméra, merde. Moi je regardais le mec parler, mais c'est il y avait l'autre. Touchez-vous bien le nez! Bienvenue dans la vallée de la mort! Ah. Oula! Non, mais ils veulent que je fasse quoi, moi? Ils veulent m'envoyer faire quoi? Ouais, c'est ça, ouais! Ça sent le barbecue! C'est pas possible, je rêve! Ah ouais, je suppose que ça me à faire, les mecs, mais là, putain! C'est complètement dingue! Des caches partout avec des mecs dedans! Pour les trancher. Ils sont malades! Ouais, ok, il me balance là et puis c'est tout. Putain. Ouais, ça fait pratiquement comme une tempête solaire hein, qui putain passe. Putain de merde. Parce que ça vient du ciel. Une éruption solaire. Oh merde. Oh. Oh. Ah, c'est sûr, ça va moins bien aller là. C'est sûr, ça va moins bien maintenant. Ah. Choisir votre voix. Je peux parler comme ça. Je peux parler comme ça. Ou je peux parler comme ça. Ah non. Donc voilà. Là je vais. On va s'arrêter là et on reprendra à partir de là. On va choisir notre voix. J'espère que l'épisode vous aura plu. C'était The John et on se retrouve pour un prochain épisode sur House Rider. Je sais pas pourquoi je dis House. Donc voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.